faut qu'on se rejoigne tous chez May. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Le symbiote est arrivé ici dans une météorite. Et il s'en sert pour transformer la ville. Je sais où elle se trouve. Et on va la voler. Il faut trouver une stratégie. Ça marche. À tout de suite. Il est sûrement temps de rentrer. Miles et MJ doivent déjà être là-bas. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Installez-vous confortablement, on est parti pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man. Évidemment, Spider-Man 2 qui plus est, n'oubliez pas la 4K 60fps. Bon, vous le sentez arriver gros comme une maison, on approche littéralement de la fin. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de bégayer, ça va pas ça? On approche littéralement de la fin du jeu, étant donné que tout New York est sous, non pas les projecteurs, mais bien au contraire, sous les problèmes de notre ami Venom, évidemment. On va voir un peu ce qui va se passer. On a été, mine de rien, spoilé pour un potentiel carnage. Alors, je peux faire un déplacement rapide, mais on va apprécier. C'est peut-être une de nos dernières balades, évidemment. Si néanmoins, vous voulez des quêtes secondaires, qu'on les finisse tous, n'hésitez pas à me dire au cas où, évidemment. Barricadez-vous à l'intérieur et surtout, ne faites confiance à personne. La ville est envahie de filaments géants qui surgissent de terre et donnent vie à des créatures infernales dont le seul but est de nous capturer et de nous transformer pour prendre notre place. Ne leur laissez pas cette chance. Le gouvernement ne fait rien, mais mes auditeurs les plus fidèles ont envahi les forums pour trouver un signe de faiblesse chez ces créatures. Nous allons donc devoir nous défendre nous-mêmes, car nous savons bien que les Spider-Man ne nous seront d'aucune aide. Et si Allez. Les événements de cette semaine ont prouvé quelque chose, c'est que les héros ne font qu'empirer la situation. Quoi qu'il en soit, chers auditeurs, restez en sécurité. Nous traverserons cette crise ensemble. New York ne se rendra pas sans se battre. Et je serai là, au front, à vos côtés. Bonne chance, et je l'espère, à bientôt. Vous l'avez compris, c'est une situation extrêmement délicate, évidemment. Alors, niveau point de compétence, en plus, on a presque fini l'intégralité des arbres de nos amis les araignées. Donc, on est niveau 50, c'est pas mal. Allez, on va... Oh, ça, on va se la mettre, hein, si je puis me permettre cette expression. Niveau gadget, en plus, on peut pimper beaucoup de choses, en vrai de vrai. Qu'est-ce qu'on a? Regardez. Oh là là, ça nous régale, ça. Ça, on se le pimpe. Ok. Niveau ricochet. Bon, c'est les jetons de héros, hein, qui nous coûtent le plus cher. Et qui sont un peu infernales à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut se mettre quelque chose en santé? Non. En dégâts, on a déjà tout. En concentration, non. Et en déplacement, bah, il nous faut des jetons de héros, encore une fois, qui nous foutent un peu dedans. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? Le lance-toile, hop, ça, c'est Pimp My Ride, évidemment, et ça fait extrêmement plaisir. Et la charge Sonic, c'est pimpé aussi, ça fait extrêmement plaisir. Voilà. On est parti? Let's go. Peut-être la dernière mission, je ne sais pas. C'est votre dernière chance de collecter des ressources et de profiter des améliorations. Bon, c'est littéralement notre dernière mission. Allez, installez-vous confortablement. On va vivre ensemble la fin de ce Spider-Man 2. On l'aura fini pour la nouvelle année, ça c'est quand même assez exceptionnel. Là, c'est le réservoir de Central Park. Le réseau d'eau de la ville. Qui achemine la mélasse. Qui ajoute toujours plus de monde à l'esprit de ruche. Si tous ces symbiotes sortent de Manhattan... Adieu la Terre. Bonjour planète bleue. La météorite est la source de tout ce pouvoir, non? Elle crée la mélasse, elle crée les symbiotes. Mais elle était inerte avant qu'Harry la répare. Ouais. Et c'est l'accélérateur de particules qui l'avait endommagé au départ. Il l'avait taillé à basse puissance. Oui, et donc, si on augmentait la puissance, si on la poussait au maximum... On pourrait la détruire et libérer tous les gens connectés à l'esprit de ruche. Ouais, en théorie. Mais le réservoir doit être blindé de symbiotes. Et on sait tous que Harry ne quittera pas la pierre des yeux. À moins qu'on la pâte avec autre chose. Moi. Non, c'est juste pour illustrer mon propos. Harry reste Harry. Il pense qu'il guérit le monde. Mais pour que tout soit vraiment parfait... Son meilleur ami doit être là. Je peux distraire Harry et l'éloigner de la météorite.
Et moi, je peux m'occuper des symbiotes. Pendant que moi, je vais récupérer le caillou. C'est juste pour illustrer mon propos. Très bien. On allume l'accélérateur. Plus d'esprit de ruche. Et le monde est sauvé. Qui veut des churros? Ouais, en théorie. Pete, par rapport à ce qu'a dit Connors sur l'état d'Harry, s'il est trop tard, est-ce que t'es prêt? Ça n'arrivera pas, ok? Parce que je sais que vous détruirez la météorite à temps. On va guérir le monde. Pour de bon, cette fois. Mieux avec un mode Sonic. Ils sont immobiles. Qu'est-ce qu'ils attendent? Écoutez, je sais pas comment vous remercier pour tout ça. T'inquiète, Pete. On est la Spider Team. C'est bien de le rappeler. Les gars, ils ont pas peur. Mary Jane qui n'a aucun pouvoir, les frères. Ils ont aucune peur de la laisser au calme. Dehors. Les aider qui plus est. Ça me bute. Salut mon pote. Tu vas rester planté là toute la nuit à jouer avec ton caillou? Y'a que nous deux, Harry. C'est ce qu'on a toujours voulu! Tu acceptes enfin notre cadeau! Mais il y a une condition! Faudra que tu m'attrapes d'abord! Ah, il s'est fait avoir comme un noob, Venom. Ça va pas, ça. C'est quoi cette diversion? C'était logique. MJ, vas-y. Ok. Watson. Ok, on est dans Mass Effect. C'était quoi ce truc? Je sais pas, mais ça avait l'air balèze de fou. Non, c'est des fusées, je suis en coup de balle. Oh, je l'avais pas vu! J'espère qu'ils ont survécu. Ok. Yeah! Yeah! Ok. J'ai cru que c'était déjà fin de rêve, retour à la réalité. C'est quoi ce truc? J'arrive! Non, je... Non. Tenez bon! C'est trop tard, désolé! Je suis occupé! Ok. Ah oui, d'accord, ok. Là, on est carrément dans un TPS. Ça, c'est vraiment cool. Norman a dû envoyer une équipe chercher un... Et apparemment, ils n'ont pas laissé que des torches derrière. Ça craint, ça craint. Ah!
Ouais, mais attends, je suis pas habitué quand je lance Spider-Man 2. Yeah! Peut-être que le pistolet n'allait pas très très loin. Oh, waouh! Je ne partirai pas sans ce caillou. Le pistolet ne tire pas très 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 loin. Bon. En gros, c'est moi qui est presque MJ qui a la plus dure des missions, c'est ça, les gars? Quoique, j'ai pas envie d'affronter Venom. Hein. Il est vraiment terrifiant. Hein. Avec sa bouche là. Dernier en haut à décrire, je ne comprends pas. J'ai pas encore une impasse. Ça, j'ai bien compris, hein. Mais on est dans l'impasse. Oh là là, c'est trop bien. En fait, ça se mêle. Les jeux sont tellement incroyables de nos jours que tout se mêle très fort. Il faut que je descende. Waouh! La météorite a l'air connectée. Ouais, faut pas mitrailler quoi. Ok, elle est là, elle est belle. Hein. Oh, plus cher! Hein. Détends-toi, c'est juste un caillou. Qui pourrait détruire le monde? J'ai peur. Ces créatures vont me submerger. Faut que j'y aille. Ok. Bon. Ouvrir. Oh, misère. Oh. Oh. Il faut que je me tire. Ok. C'est bon, c'est pas si mal. Le ciel. Oh, presque sorti de cet enfer. Ma sortie semble être derrière cette lutte. Peur. Oh, salope. Pardon. Allez, ok. Oh, je me suis caca culotte. Ah, c'était Terribles. Ah! Dites-moi que c'est une blague. Hé! Je crois que ça lui a fait mal. Ok, viens par ici. Ok. Ah! Par ici. Viens par ici. C'était énorme. Mais je suis rapide.
Ah! Oh putain! On est chaud! On s'en va, Max! T'es prête? Ton plus un soit invité à la fête des anciens du lycée, Harry! Harry! C'est ici que nous sommes devenus des amis proches. Ouais. C'est vrai. Et c'est ici que nous allons devenir frères. Ah oui! Oh waouh! Déjà un hélicoptère sur les lieux de rendez-vous! Rejoins-nous. Allez! Souviens-toi de tout ce qu'on a vécu ensemble! Que Flash nous a mis pendant 4 ans. Aïe! Nous étions faibles à l'époque. Mais on comptait l'un sur l'autre. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Waouh! Sol in lava, c'est ça? Ça, c'est mon item le plus cheaté, littéralement. J'étais au stade. J'étais là. J'ai toujours été là. Jusqu'à ce que nous retombions malades. Ok. Tu nous as abandonnés pendant qu'on luttait pour survivre. Ok, j'ai compris. D'accord, en fait, je peux aller sur les trois arrêts. C'est pas comme ça qu'on l'a ressenti. L'avantage. C'est pas fini, hein, vous vous en doutez bien. Ça va être long. Ça va être long. Ah, c'est peut-être fini. Tu veux nous rejoindre? Nous le savons. Et ouais, mon petit père, on m'appelle pas l'anti-vénome pour rien, mon gars. Pourquoi tu t'acharnes contre nous? Tu me laisses pas vraiment le choix. Descends-toi sous ta plainte russe.
Je peux libérer Harry avec plus d'antivénom. Oh. Ok, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris que je remplis mes jauges. Faut que je remplisse mes jauges, que vous voyez. Putain! Arrête d'esquiver! Allez, des vraies patates, hein. Ok. Nous savons ce qui est bon pour tout le monde. Nous devons faire tout ce dont tu Tu nous as rejetés. Non, mais c'est pas vrai. Excuse-moi. Il ne laisse pas respirer. Tu nous as remplacés par Miles. Il a encore plus envenimé les choses entre nous. Non! Il m'a sauvé! Tout comme je vais te sauver! Nous n'avons jamais été assez bien pour toi et pour papa. Il manipule ton esprit, Harry! C'est mon meilleur ami! Alors pourquoi tu ne nous fais pas confiance? Je te fais confiance, Harry! Mais je me méfie de cette chose que tu portes! Nous ne sommes pas une chose! Ah, oh, c'est dur, les amis! Oh, waouh! Tu es plus fort que le symbiote, Harry! Résiste! Résiste! Prouve que tu existes! C'est bon, on arrête. Tu m'as Allez, tu m'as saoulé, je vais juste éclater la gueule, c'est bon. On arrête la comédie. Là, Venom, pas Venom. Je vais juste te baiser en fait. Arrête, je rigolais! C'était une blague! C'était Spider Black! Aïe! Ok. En voilà d'autres! Ça marche pas. Allez, ça, je fais. Ça, j'aime bien. Hop, dans ta gueule. Jamais. Allez, des vraies patates de cow-boy, mon pote. Allez! Et... Allez. Ouh, c'est dur! Troisième phase, je suppose, ça s'arrêtera jamais! Tu peux bien me faire tout ce que tu voudras. Jamais je ne guérirai le monde avec toi. Pas comme ça. La météorite. Tu nous l'as volée.
Waouh! Je suis sa salope là. Ça c'est incroyable ça. Je crois que ses alliés n'ont pas aimé qu'on prenne leur truc. Ouais bah, tant pis pour eux. Des vrais jeeps de cowboys! Je me battrai pour toi, Harry! Tu n'en as rien à faire, nous! Tu ne nous connais pas! Ok, allez, c'est parti, c'est pas fini, oncle Jackie! Je parle à mon père! Tu te souviens? Qu'est-ce qu'elle te dit en ce moment? C'est reparti, c'est pas fini, oncle Jackie! Nous sommes si près du but! Ok. Désolé, Harry. Tu m'as assez saoulé avec ton cauchemar. Allez. Je vais te... Vrai gif de cowboy. Ça, ça fait très très mal, je te le dis. Besoin de vous deux. Il nous a maintenant. Ok, phase 2. Bon. Tu fais pas ça pour Pete. Tu fais ça pour toi-même. Allez, Pete, tout fait Pete. Tu nous as privés de lui. Privé de lui? Qu'est-ce que tu racontes encore?
Ok. Dans leur forêt. Nous n'avons pas. Harry. Ok. Non, c'est le sanglot. Ah, toi. Tu étais jaloux. C'est pour ça. Alors oui, peut-être. Mais putain. Allez, vraie patate de cow-boy. Croyez lui avoir coupé les ailes. Au mieux que nous. Pas vrai. Non, c'est pas une compétition. C'est juste que je te préfère sans ton alien rasé. C'est tout. On va lui envoyer d'autres déchargeurs. Finissons-en. Okay.
tard pour moi. Non. On a encore le temps. Non. Arrête. Ça va les tuer. Et ça te tuera aussi. On va guérir le monde, Pete. Faites-moi de la place. Je sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer.
Harry. Son pouls est faible. Faut pas traîner. Qu'avez-vous fait? Que lui avez-vous fait? Je suis désolé. Je viens avec vous, attendez-moi. Malgré les signes d'activité cérébrale, ses chances de rémission sont très faibles. Maintenez-le en vie. Allez, préparez le sérum G, au plus vite. Voilà maintenant plusieurs années que le destin s'acharne sans cesse sur cette ville. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons affronté la maladie, la criminalité. Le cataclysme. Malgré la fatigue, l'inquiétude, l'inertie, le stress, nous n'avons jamais perdu espoir. La ville va devoir guérir. Nous souhaitons tous un retour à la normale. Mais c'est quoi, la norme? Est-ce que ça existe encore? Depuis une demi-heure, je vous raconte comment ces événements m'ont transformé. Mais qu'en est-il de vous? Dans cette nouvelle série, j'irai à la rencontre des habitants de la ville. Découvrir nos nouvelles habitudes, nos nouvelles attitudes, nos opinions et convictions. J'espère que vous me suivrez dans cette quête. Vous étiez avec Mary Jane Watson et vous écoutez La Nouvelle Réalité. Épisode 1, fini. Cool. J'en sais rien. Oui, je peux en prendre. Une minute. Je veux te montrer un truc avant. Ok. On met du sirop dans la pâte. Je vais t'en prendre. Merci encore pour la donation, Peter. Est-ce que t'as parlé à Miles de ça? Pas encore.
T'es prêt? Miles. Ça. Oui. Ça fait un moment que je voulais te parler. Enfin, on parle tout le temps, tous les deux, toi et moi, c'est... Et franchement, c'est toujours sympa. J'adore parler avec toi. Seulement, je t'ai encore jamais parlé de ce dont je voudrais te parler, et franchement, c'est important. Pete. Attends, j'ai pas fini. C'est bon, je m'en occupe. Je prends le relais. Tu peux redevenir Peter Parker. T'es sûr? Parce que c'est une très grande ville. Je peux gérer. Tant que t'es toujours là pour me donner des conseils. T'en as pas besoin. Peut-être pas maintenant, mais... Un jour, qui sait? Je serai toujours là. T'inquiète. Mon pote. À plus. Guérir le monde! Trophée obtenu! Bon, mais il est temps de faire un petit récapitulatif. Soyons francs, extraordinaire, qui puise enfin les capacités de la PlayStation 5, évidemment. Il n'est pas sorti sur PS4 comme Miles Morales, et ça se ressent parce que la ville, elle est extrêmement animée et extrêmement bien animée. Les degrés de détail, les textures, bref, ce jeu est fantastique. Cette histoire a été fantastique. J'ai cru que tout le jeu allait se porter sur Kraven, mais pas du tout. Ils se sont concentrés sur énormément d'ennemis, donc Kraven, Venom en principal, mais aussi la secte de la flamme qui nous a teasé un carnage, évidemment. Bref, extraordinaire. Franchement, extraordinaire. Le sérum G qui va être utilisé sur Harry, évidemment. Donc peut-être le bouffon vert très bientôt. Très honnêtement, magnifique. Ce Spider-Man 2 était exceptionnel à mon goût et à mon sens. Honnêtement, il surpasse le 1 pour moi à titre personnel. L'effet de découverte a été moins impressionnant étant donné que le 1 était quand même majestueux alors qu'on était sur PS4. Mais quand même, ce Spider-Man 2 a été fou du début jusqu'à la fin. Entre Venom en Peter Parker, puis en Harry, puis l'anti-Venom et tout. Vraiment, il y a plein de choses dans lesquelles je ne m'y attendais pas. Je ne me suis jamais fait spoiler à titre personnel. J'espère que vous qui suivez l'aventure avec moi aussi. Et honnêtement, ça a été un plaisir du début à la fin. On a vu tout un tas de méchants, qui plus est, d'anciens méchants. Bref, c'était exceptionnel, à mon sens, un très très beau let's play en intégrale 4K 60 fps, donc ça va être visionnable encore pendant au moins 10 ou 20 ans. J'espère vraiment que vous avez pris plaisir à regarder cette aventure à mes côtés. Je vous fais énormément de bisous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien évidemment pour... Parce qu'en parallèle, il y a Alan Wake, évidemment, Alan Wake 2 qui touche aussi à sa fin. Portez-vous bien pour cette fin d'année 2023 et passer un début 2024 exceptionnel. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Une année 2024 exceptionnelle. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire pour la dernière de cette aventure sur Spider-Man 2. Il y aura sûrement et peut-être un DLC, du moins je l'espère. Mais en attendant, pour l'instant, c'est officiellement la fin. Épisode 34. Bisous tout le monde! Bye bye. Qu'est-ce que tu veux? Les Spider-Man. Tu sais qui ils sont.
Pas vrai? Pourquoi? Ils ont détruit mon fils. Bien. Personne n'est à l'abri de ces choses. Pas même toi, Norman. Tu écris quoi ? Le dernier chapitre. Bonjour. J'espère que tu as faim. C'est presque prêt. Et si tu montrais ton essai à Ellie? Il y a mis tout son petit cœur. Un gamin de Harlem. On le voit souvent faire du volontariat dans la ville, aider sa mère conseillère municipale, essayer d'être digne de son père. Ouais. Salut, Ellie, Miles. Eh bien, voici Albert. Oh, bonjour. Je suis ravi de vous connaître. Oh, voici ma fille, Cindy. New York. Quelqu'un qui signale un truc dangereux dans son quartier. Ça ressemble à une mission pour moi.